Cet album, en fait, c'est un peu un charnière entre ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et puis ce que je vais faire par la suite. C'est arrivé à 48 ans, j'avais envie de poser la valise, laisser une vraie trace et puis retourner avec mes amours qui sont blues. Entre autres, suite à un spectacle qui avait d'ailleurs été monté aussi avec au Théâtre de Dreux, qui s'appelle Tribute du Nord, c'est ce qui m'a permis de revenir avec mes amours. D'accord. Et l'album. Alors, je fais un album sans prétention, simplement pour avant tout faire plaisir à mon entourage de musiciens. Et très rapidement, j'ai eu des chroniques dans la presse nationale, que ce soit le magazine, le BCR, la revue, Paris Monde, entre autres, même un bouquin anglais qui s'appelle Blues Matters Magazine, avec des chroniques très très flatteuses qui m'ont moi-même étonné, qui m'étonnent encore. Je vais t'empêcher de le faire. Alors la suite c'est quoi alors c'est... La suite bah, c'est... Alors l'annonce officieuse de la remise de ce prix a été faite en début septembre, donc j'ai commencé à en parler un peu pour ta groupe. Et depuis on a des contextes assez intéressants puisque aujourd'hui on a une prestation avec le festival de blues de Bain-de-Bretagne. On est... Festival de blues de... Bain-de-Bretagne. De Bain-de-Bretagne. Ouais, Bain-de-Bretagne. Comme un bain. Voilà, comme un bain. Avec un salaire. D'accord. Et j'ai appris hier, donc c'est tout frais, l'exclusivité que Yann Nem sera sur la scène du Free Wells en Auvergne en 2020. Alors le Free Wells, c'est la plus grosse concentration européenne de Harley Davidson. Free Wells. Free Wells. Ouais. W. Alors, je ne sais pas du tout l'homme de Shakespeare, donc je vous laisse. C'est donc c'est 120 000 personnes. Une scène de concentration de motards. De Harley Davidson. Ouais. Et ça sera quand? C'est au mois d'août, c'est début août, les dates exactes, je ne sais pas. Mais comme je sais qu'ils ont un site très riche, ça doit être marqué. D'accord. Quelques investigations encore. Très bien. Je suis venu dans les portes. Et là, je reviens de Bretagne, où j'ai fait une conférence de presse avec la ville où je suis maintenant, qui est Rostrenin, et où j'ai eu l'honneur de remettre la médaille de la ville par rapport à mon activité culturelle. Donc, j'étais très touché par la mère Assis, et j'ai eu la reconnaissance. Très bien. Secteur d'une ville que tu connais. Comment ça s'appelle? Rostrenin, R-O-S-N-E-N.